Bonjour YouTube, bienvenue sur cet épisode 4 de Super Mario 3D All-Star PEGI 7. Tout se passe très bien. Ce sera la dernière partie de cette session. La prochaine sera un autre jour, jour que je ne connais pas. Voilà. On retourne dans ce niveau? Maintenant qu'on sait faire. Sable trop mouvant, au sommet de la pyramide. J'ai pas lancé de chrono par contre. Voilà. Relancer les chronos. Voilà, voilà, voilà. Au sommet... Ah mais je fais... À chaque fois j'essaye, hein, mais ça ne passe pas. Alors, le sommet de la pyramide. Est-ce qu'on prend le chemin... ici? Ou est-ce qu'il nous faut encore... El famoso plume, casquette, machin. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Non, c'est bon. Paradon, non, je connais pas. Mais je ne souhaite pas, pour le moment, faire de stream caritatif, là. Pour le moment, je pense égoïstement à moi. Suite à... Beaucoup de choses. Voilà, j'ai pas beaucoup d'arguments. Mais pour le moment, je ne souhaite pas faire de stream caritatif. Bien. Donc ça, c'est... Qui a proposé la tornade tout à l'heure? Quelqu'un en a parlé, non? Mais peut-être que, en fait, ce que vous vouliez, c'était ça. Oh, vous voyez les pièces rouges qui sont dans les airs, là? Vous sentez les pièces rouges? Why not, why not, why not, why not? Hmm? C'est bon. Ok. Et maintenant, les pièces rouges. Non? Dans l'ancienne pyramide. Maintenant, il faut rentrer dedans. Quel niveau, les amis, quel niveau! Oh là 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 là! On se demande où était passé le skill dans l'épisode précédent. Il est là, YouTube. Ne t'en... Arrête de sauter. Voilà. La la, 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 la. Inside the Big Pyramid. And there, you can find a totally other niveau. Where I don't know. I don't know where to go. Just follow the enemy. Ah, I think it's this way. Ah, il y a quelqu'un qui souffre en hauteur. Attention, j'ai peur que si on touche ça, ce soit la mort instante. Instant death. Ce n'est pas la mort instantanée. Est-ce que je peux pas m'accrocher? Non. Mais... En tout cas, on a un chemin. Why do you speak in English right now? Because I like it. And I do what I want.
And what I want is have a very, very, very good French accent. Ouais, on est sur la version Switch, c'est la version 3D All-Star avec Mario Sunshine et Mario Galaxy. So, thank you. Thank you. Gros moment de plateforme là. Tout va bien. Oula! Pourquoi il a accéléré comme un gueudin là? Quel sourire! Sourire, sourire, sourire! Ah, la caméra, mais c'est insupportable! Ah, lui, il a la banane. Ah, bah oui. Clairement. Encore un. Okay. Ah, la caméra, c'est complexe. Hein. Tu sens que c'est un vieux système, que tu contrôlais pas vraiment la caméra. C'est juste des espèces d'axes. Tu peux pas t'arrêter où tu veux. Là, elle bouge toute seule, là. Elle veut juste atteindre son axe. Ok. Visage qui sourit.jpg. Bien. Je vous propose un autre niveau. Oh. La caverne brumeuse, gros bibi de la caverne. Alors ça... Ça fait plaisir. Vous êtes ici. Et on va chercher gros bibi. On va aller à droite, je sais pas... Je crois que le gros bibi... Oh. Le plaisir de ton live pendant ma réunion chiante. Merci, fan de jeu. J'ai bien raté mon petit passage, là. Ok, on va patienter. C'est juste que je suis trop pressé, là. And behind this door... A big baby. Est-ce qu'on lit les panneaux? Est-ce qu'on devrait lire les panneaux? Plateforme de travail pour descendre, utiliser le poteau sur la gauche et glisser jusqu'en bas. Poteau? Alors, on a une carte pour te repérer, c'est pas mal, mais where is... Je sais pas. Pour moi, il est dans l'eau, gros bibi. Il y a trop de flèches, je comprends pas. Ah, j'aurais peut-être dû lire les panneaux.
c'est quoi ce bordel? Ok, je connais pas les passages, mais bon, on va bien trouver une autre porte qui nous guide. Bah, exactement dans la salle qu'on vient de quitter. Alors, ici, il y aura la pièce rouge. Ouais, c'est un vrai labyrinthe. Droite, entrée du labyrinthe toxique. Gauche, trou noir. Ascenseur 1. Votre position actuelle. On va aller dans le trou noir. Ascenseur 1. You have to make a lot of muscu to have some gros pipi. J'ai pas compris l'histoire du trou noir. Je sais pas ce que je... Oh, je suis revenu au tout début! Quel enfer! Je suis revenu au tout début! Est-ce que c'est le point rouge que je dois viser? Il y a des points bleus aussi. Ah, mais c'est là le trou noir. C'est la mort? Ah, c'est la mort! Je pensais que ce serait un TP ou un autre passage. Je sais pas... Ouais, j'aimerais bien essayer de voir ce que c'est les points bleus. Et ce que c'est le point rouge. C'est peut-être l'objectif à chaque fois dans les niveaux. Sur la carte, ça va peut-être changer à chaque fois. Oui, tu me l'as déjà dit, ça. Attends. Il y a une carte, là. Aïe. Ah, c'est peut-être l'ascenseur. C'est peut-être juste l'ascenseur. Je crois qu'il faut passer le labyrinthe toxique, comme ils ont appelé ça. Ok, tout droit, au fond, première à gauche. Ah non, mais c'est ça les ronds bleus, là. Je comprends pas. Ah oui, mais tu me changes de direction. Ok, ok. Est-ce qu'on peut tuer les gens? Ah, ils reviennent en boucle. Crever. Prépare tout crever. Bon Dieu! Sortez-moi de là! Oh! En plus, on avait zéro vie. Je crois que c'est ici, non? Aïe, 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 aïe. Sinon, on peut faire un autre niveau. Parce que là, j'ai pas compris où était le gros bibi. Britney.
Si on allait là? Je sais pas si j'ai le droit. Je peux. Pour le moment, je peux. Très bien, nous allons dans un autre niveau. Le manoir de Big Boo. Après Gros Bibi, nous avons Big Boo. La morale, c'est que Bibi n'existe pas. Mois pour faire un petit coucou 3 sur toi, brioche. Merci Momoko, merci beaucoup. C'est aussi un bon niveau, ça? Super. Entre donc, mon biquet. Viens dîner. Ok, alors y a rien là, non? Je sais pas si. Je sais pas si comment les tuer. Je sais pas si je peux en fait. Cette musique te faisait peur. Popo. Elle est pourtant très sympathique cette musique. Yes. Retour au début. Wow, 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 wow. Calmos. Rodéo. C'est l'attaque Rodéo. Les fantômes sont immortels. Pourras-tu sortir d'ici vivant? Est-ce qu'il faut tous les tuer? Je sais pas. Où est-ce que je fais une attaque ici? Le piano a l'air bien énervé, ouais. Je sais pas. Pour le moment, je pars sur... tuer tous les fantômes. Il y a un truc en bas, je crois. Pratique cette caméra au lointain. Célestuque. Ah, j'aime bien aussi l'ambiance. Et ce côté secret, en fait. Ah! Ça a marché. Ok, 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 ok. Ces bruits. Oh non! Ah, j'ai eu peur. C'est bien. Bruitage.mp3, bien sûr. On va continuer dans ce niveau, hein. Il est plutôt sympathique. Si j'y arrive après. Hein. Faire ça. Ok. Ceci était le seigneur des ténèbres à Skip. C'est ça. Let's go.
J'ai pas lu. Manège des bouts pas beaux. Alors, est-ce qu'il faut retourner dans le manoir? Je pense que oui. Là, c'est quoi, par exemple? Tourner autour de certains ennemis peut faire tourner de l'œil. Ouais, mais ça, je connaissais. Ah, faut peut-être aller à l'étage. Débloquer l'étage. Là, il y a l'étoile des pièces rouges. Là, il y a R. Tout le monde est moche dans ce jeu, ouais, c'est ça. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que quoi? Mais non! Ah d'accord, fallait rester là-bas. Ah bon? Alors je suis pas sûr d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais j'ai une étoile. Secret des livres hantés. Non bah non, c'était pas ça du tout là. C'était pas du tout la bonne. Ouais, ouais, on prend, hein, de toute façon. Il nous en faut 30 pour le prochain Bowser. Ok, c'était la troisième. Manège des bouts pas beaux. Je vais quand même faire le tour du manoir. Est-ce qu'il y a des choses? Pas vraiment. Ok, on va juste explorer l'étage. Il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas fait. Enfin, il y a des portes qu'on n'a pas explorées de toute façon. On va venir ici. Oh là. Là, il y a de la pièce rouge. Peut-être qu'il faut tuer tous les yeux. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il faut tourner? Je sais pas. Bonjour, Mist. Olé. Ça, ça ramène ici. Manège des bouts pas beaux. Il y a un truc là-haut. Qu'est-ce que... Il y a des bouquins qui m'attaquent. Je sais pas s'il faut grimper. Ah là 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 là. C'est chaud, hein. Eh, arrête de longer. On a vu des bouts, on a vu des gens pas beaux, mais où est le manège? Ok, je suis en haut. Et on découvre... Et on découvre... Niveau pièces bleues, j'ai l'impression que c'est généreux, hein. Bonjour, bonjour.
Non! Ça va le reset. Il se fait un peu bully lui, hein. Yes. J'ai fait mon malinx. Profitons-en pour checker ce qu'il y a ici. Ouh. Ah, ok. De ce sphinx. Où est le manège? Est-ce qu'on y est? Oh! Tu entends cette petite musique? Ouh! Ah! Un raid! Pourquoi j'ai pas d'annonce de raid? Pourquoi ça n'a pas marché? Tibou. Ah, j'arrive plus à le dire. Tibou. Dou. Boudou. Pourquoi il n'y a pas eu genre le son qui fait. Yeah! Normalement, c'est censé marcher. Ah non. Non, il était masqué. Quelle tristesse. Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on galère un petit peu. Voilà. J'ai presque plus de vie. Je suis ici. Donc, c'est la version Switch. Ah, faudrait que je le tue pour récupérer de la vie. De la vie. Voilà, c'est bon. On se bat un peu avec les contrôles, surtout de la caméra. Oh, mais c'est encore lui! Il s'est fait bu. Il s'est fait avoir tout seul, là. Je suis désolé, c'est pas moi. Enfin, je suis pas désolé, mais... Appréciez cette musique. Ah, ça change d'Isaac, hein. Bah, vous savez, c'est... Enfin... Peut-être que vous m'avez vu que sur Isaac, mais je joue à beaucoup, beaucoup de sortes de jeux. Je joue un peu à tout, hein, en vérité. Allez, mais meurs! Ah. En fait, je faisais Isaac dans mon stream. Ah, d'accord, c'est pour ça. D'accord. Non! C'est la même sur Majora's Mask. Mais c'est vrai que ça me disait quelque chose. On va continuer dans ce monde. Yes. Quand on peut se faire tuer par le niveau, c'est pas bon signe. Alors, trouver les 8 pièces rouges. Alors ça, à mon avis, ça va être très sympa. Ça va être fort agréable. On va faire le tour d'abord. Je sais pas s'il n'y en avait pas une dehors. Et il y a la porte de derrière. Salut. Ouais, il y a l'air d'y avoir un passage, mais bon. Ça fait plaisir de revoir ce jeu, tu l'avais tellement séché. Ben moi, tu vois, je n'avais joué qu'à la version DS. J'avais jamais fait la version 64. En fait, sur Nintendo 64, j'avais pas grand-chose. J'avais Pokémon, surtout.
Pokémon Stadium. Ok. Oh bon dieu. La version DS m'avait saoulé. Pourquoi? Après c'est vrai que c'est pas exactement le même gameplay. Enfin ça c'est quand t'es habitué. Tu te dis mais pourquoi vous avez changé? Parce qu'il y avait plusieurs persos et tout. Moi, ayant commencé avec les versions DS, ça me choque pas trop. Mais oui, quand t'as un jeu d'enfance et qu'on te le change. Enfin, je dis d'enfance, mais ça se trouve, t'as 84 ans. Merci Zebra pour ton Prime. Quoi, t'as pas 84 ans? Pokémon Stadium, Mario 64, Zelda et Donkey Kong. J'en ai 17. Ouf. Attention, hein, sur ce live, on cherche des gens qui savent se tenir. Hein. Moi, j'ai peur des teenagers. Ça me fait peur, les teenagers. Mais il y a des teenagers. Très sympathiques. Je dis ça pour vous faire peur. Attention le piano. On est calme pourtant. Mais bien sûr, bien sûr. Non mais il n'y a plus de soucis. Je dis ça parce que ça fait parler. C'est marrant. C'est pour montrer aux gens qui arrivent que je suis un incroyable connard. Les 2000 ont 21 ans. Eh oui, hein. Combien j'ai de pièces? 3! Mais c'est pas assez. Rappelez-vous, dans quelques jours, j'aurai 30 ans. Rappelez-vous. Mais merde! De toute façon, 17 ans, hein, c'est majeur dans la communauté des sorciers. Donc, c'est bon. À moins que vous soyez un moldu. Si c'est le cas, effectivement, c'est 18 ans, mais... Le 1er février. Il veut pas me regarder, lui? Des moldus parmi nous. C'est possible, hein? Doucement. Ok, on est à 6. Je sais pas si je peux faire quelque chose avec ça. Bon. Dans Pokémon, la majorité, c'est autour de 12 ans. Ah, bah on n'est pas dans Pokémon. Non, 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 ça c'est clair. Je veux pas du tout que la majorité soit à 12 ans. C'est non. Ok, 7. Est-ce qu'on avait ouvert cette porte? Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Ouais, mais on est vachement loin, là. Ah, bon sang. Est-ce que la pièce peut être ici? C'est le 1er février, Alexouille. Les 30 ans. Je crois que c'est un lundi. J'arrive pas à monter. Le bloc bleu, bah, je ne sais pas, mais de toute façon, il est pas actif pour le moment. Faut avancer dans le jeu pour les activer. On va quand même aller là au cas où. Mais... Peut-être au milieu.
On a vu la pièce. Ah, vous avez... Ah! Elle est peut-être de l'autre côté de la plaque tournante. Non? C'est ça qu'on a vu. Ouais, je suis Verseau. Par contre, ne m'appelle plus Marie-Brie, s'il te plaît. Je n'utilise plus ce pseudo. Enfin, ça m'embête un peu. Voilà. Ah bah, charmant. Vraiment cool, merci. Merci pour l'accueil. Bye, Nizak. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Miss Dragon, pour ton prime. T'en fais pas, si t'étais pas au courant, tu peux pas, voilà, je te le dis, c'est tout. Pas de problème. Donc, on va retenter la plaque, je sais pas si c'était ça. Je sais pas si quelqu'un l'a confirmé ou non. Ah, super. Attends. C'est pas la plaque. C'est pas la plaque, mais vous l'avez vu. Ah, je sais pas si vous l'avez vu quand on est tombé. Ou quand on était en haut. Ou alors c'est là. Ou alors vous me dites ça, genre vous l'avez vu il y a longtemps. Et pas maintenant. Non, il y a pas, il y a les rediffs, c'est écrit dans la description, enfin, je sais plus si c'est dans la description ou dans les commentaires, chino, ou sino, je ne sais pas. C'est une par jour. Sinon, si tu veux, sur Twitch, elles y sont toutes. Et là, pour Mario, ce sera a priori pareil. Oh, Opi, coucou! Un bonjour furtif pour mes 4 mois, des... Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Que le boulot te rend pas trop folle parce que c'est rude, je sais. On l'a vu dans une salle du manoir. Bon. Ok, donc je l'ai raté dans une salle du manoir. Si, mais la date elle est ici, je la mets pas sur l'écran de jeu. Bon, tu me diras, effectivement, vu que là on avait de la place, j'aurais pu le mettre, mais... T'as tourné folle il y a pas longtemps. J'espère que ça va un peu mieux. La dernière pièce rouge est dans ce niveau. J'ai pas dû faire attention. Ouais, je les refais toutes, mais... Pour faire ça, je pense pas. Est-ce qu'on peut grimper? Ah, je me fais bully par les bouquins, tu vois. Ça c'est le tome 5 d'Harry Potter, justement. Tellement gros. Ouais, je parle beaucoup d'Harry Potter, ouais. Ouais, c'est possible. Ouais. Peut-être qu'elle est dans la salle du piano. Faut peut-être tuer le piano. On est à la recherche d'une pièce rouge perdue. Ouais, il en manque une. Ça, c'est des 1000 pages, ça, mais ouais. Ah! 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 C'était le piano! Ah. Ah! Ah! Et voilà, c'est bon! C'est bon. Allez, on a le temps pour au moins un niveau. On va finir dans celui-là. Il est plutôt cool. Le septième est le plus gros, je crois. Le septième. Boop. Tu peux crever ?
Ah là là, mais comment je fais d'habitude? Merci. C'est bon. Ah, le cinquième, le plus gros, le septième. Ah oui, vous parliez des bouquins. Ah, il me semble que c'est le 5 le plus gros. Bah, en même temps, pour faire tenir Ombrage, il faut forcément un livre énorme. Balcon de Big Boo, ok. Donc on l'avait déjà commencé, celle-ci. C'était par là. Vous mentez, Dolores. Ouais, mais je suis trop dans Harry Potter en ce moment. Regarde ça, ça, ça c'est le journal de Gédusor. Il est d'une violence. Ce gros crapaud d'ombrage. Quelle gargouille malfaisante. De ref inconnu. Oh, Harry Potter quand même. Soit vous avez lu, soit vous avez vu. Si vous n'avez pas fait ni l'un ni l'autre, il va falloir remédier. Hein. C'est des super... au moins des super films. Si vous voulez pas lire. Vous faites les livres audio. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais les livres audio, c'est cool aussi. Ah ben, il faut, c'est super. Ah, effectivement, les deux premiers films, je trouve, sont un petit peu rudes quand t'es un peu âgé, parce que déjà, ils ont vieilli. Avoir des effets spéciaux marrants, mais ils sont beaucoup plus orientés enfants, quoi. Mais après, déjà avec le 2, ça commence déjà à se lancer, mais... La suite, ça se regarde tout seul, hein. Ouais, le 1 est plus marrant parce que c'est... Ils sont tout gamins, ils jouent pas très très bien, même les doubleurs sont un peu en fond des caisses, c'est marrant. Tu n'aimes pas Harry Potter, bah, tu as le droit, tu sais. Tu sais, ici c'est bienveillance absolue. Et cynisme mesuré. Je spam un peu parce que ça va fonctionner. Voilà. J'ai déjà fait les deux premiers Harry Potter. Elle est partie où l'étoile? Excusez-moi. Ah, faut aller sur le toit? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Est-ce que c'est là? Je sais pas, il y a un rebord là. Il sert à rien. On va se régénérer. ...975 pages et le 7 fait 809 pages. Comment on monte? Ça c'est la question parce que j'ai pas vu d'accès au toit. Et là je vais glisser. Je vous rave avec l'accent du sud dans le livre audio. La cape d'invisibilité fond vert qu'on peut voir dans le 1 si on met pause au bon moment, oui. A priori, d'autres jeux Harry Potter, ce n'est pas prévu. J'avais fait les deux premiers parce que... Enfin, les deux premiers versions PS1, parce qu'ils étaient très moches et c'était très drôle. Mais je pense pas faire les autres. Malfoy. Par contre, si vous voulez, j'achète des boosters de cartes Pokémon... pas Pokémon, Harry Potter. Puisqu'on parlait tout à l'heure d'ouverture de cartes que Dame Dame faisait et que ça donnait envie de collectionner. On va acheter des cartes Harry Potter et on va les ouvrir en stream. Bon, je sais pas du tout comment on monte en fait. J'ai pas vu d'autres accès. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut passer là? Je sais pas comment on passe là.
Bonjour Assia, t'arrives plutôt vers la fin, c'est ma dernière partie là, et on est à la fin du chrono, en fait je prends cette étoile et ça va être terminé. Go devenir Brie Lafarge Harry Potter. Alors attention, pour précision, et je le répéterai si un jour on fait un truc pareil, arrêtez, s'il vous plaît, ne le faites pas en tout cas, d'associer David Lafarge à tous les gens qui collectionnent des cartes ou qui ouvrent des boosters, et à faire cette blague, ah, David Lafarge, machin... Je vous jure que c'est à chaque fois, donc le faites plus. Veux-tu un indice? Bah oui, parce que alors là, je suis désœuvré, en fait, je ne comprends pas du tout, là. Il n'y a pas de passage spécifique. Ressort en haut et est du talent. D'accord, donc il faut grimper sur le toit en mode débrouille-toi. D'accord. Moi, je te le dis à toi parce que tu l'as fait là, mais je sais qu'il y a toujours quelqu'un pour faire ça. Pour faire cette blague, tu vois. Et... Yes. Bon, j'imagine qu'il faut courir et ne surtout pas s'arrêter. Profitez de cette musique. J'ai enfin compris comment regarder avec la caméra. C'est une bonne chose. Bah ouais. Bah ouais. What the fuck? Comment on monte? Hogwarts Legacy, je suis pas trop renseigné. J'avoue que pour l'instant, j'attends plus d'infos ou j'attends de voir. Je pense que c'est bien. Ça a l'air cool, hein, les peu de choses qu'on a vues. Ça va sûrement m'intéresser. J'espère que ce sera bien. J'espère que ce sera bien, quoi. J'ai pas plus d'avis que ça pour le moment. Mars attaque, tu me donnes la solution, non? Enfin, je sais pas si c'est ça, mais... Mais c'est ça. Évitez, hein. Ça a l'air effectivement d'aider beaucoup. Alors, la prochaine sera-t-elle la bonne? Ce qui me fait peur, c'est le régène, c'est à force de rater. Faudra que je trouve des pièces. RIP YouTube. YouTube, on t'embrasse encore une fois. Ok, c'est bon. C'est good. On m'avait dit oui pour l'indice. Ah mais non, on parlait d'avant. Enfin, je pensais qu'on l'avait déjà donné. Donc c'est mal compris. L'indice, c'était pour savoir comment monter sur le toit. Enfin, bref, on s'est mal compris. Je vais sortir d'ici. En gros, j'avais pensé avoir déjà eu l'indice et j'en attendais pas d'autre. Quatre mois, trois. Merci, Crazy Hunter. Fin de la rediff YouTube, avant que ça dure des heures. Là, combien de temps ça dure? 50 minutes, my god. On se retrouve bientôt pour la suite, je ne sais pas quand est la prochaine session, hein, pour ceux qui voudront revenir en stream, mais en tout cas sur YouTube, bah, ce sera la prochaine fois, un jour. Voilà, des bisous, bye bye.